avez fait 700 chevaux avec le... Ça pousse fort. Ça pousse fort, bah justement l'énergie électrique en fait, le couple, la force du moteur, on l'a très rapidement. Ouais. Très rapidement. Oh, ouais, non, enfin c'était excellent. Donc on a eu l'occasion de jouer avec ça. Et puis après. C'est indiqué automatique. Pour se mettre en manuel, soit on le force avec la palette ou avec le levier. Oui, d'accord, oui, ça, tu peux reprendre le relais. C'est marrant, c'est les mêmes palettes en magnésium que Infinity. Allez, c'est parti. Le tracé pour le coup, bah, il est sympa. Ouais. Il est sympa sur de technique finalement ces voitures là. Enfin, je parle du Joker. Faut arriver mi-pitch pour éviter d'être trop à l'intérieur.
Avec le comportement.
dégaze. On dit que l'accélération est proportionnelle au débraquage, on va faire la sortie, après j'accélère un peu, donc j'ai plus loin, donc freinage sur le coup. Après je diminue la pression de freinage au fur et à mesure que je garde du pouvoir directionnel sur le train. Vraiment, vraiment, vraiment. Effectivement à l'aise, attention à l'excès d'optimisme tout de même. Ouais. Parce que des fois, ça, on peut tourner les roues, on peut pas dépasser par le côté. Mais effectivement, la prise en main est excellente. Pour le plus début de la semaine, hein, tout type de personnes, expérimentées ou pas. Mais après, une fois que tu as compris la notion de turbo, qui ne déclenche pas tout de suite, à toi d'anticiper qu'il va déclencher une demi-seconde après. Ouais, après, écoute, ouais. Avant qu'on ait trop de produits turbo, moi je trouve qu'il se déclenche. Il se déclenche. Il y a une.